إخواني المشاهدين عبر قناة يوتيوب، أسعد الله مساءكم وكل عام وأنتم بألف خير. اليوم في عددنا هذا البرنامج صرحنا نستضيف سيد مديرنا مصطفى بالفضل، يرحب به مرة أخرى. يسلمك، شكرا على الاستضافة. كما نستضيف في هذا اللقاء لقاء صرحنا الأخ الصحفي من جريدة القضية سيد محمد دلي. مرحبا بك سيد محمد دلي. شكرا، بارك الله فيكم، ونشكر ثاني جريدة وستافو اللي عطاتنا هذه الفرصة باش نتكلموا مع مدير النقل في موضوع يعني يهم الولاية تاع سيدي بلعباس. شكرا. كما نستضيف السيد نوي موسى طابع الريفليكسيون. إذا أهلا وسهلا بالجميع، حيث نبدأ على بركة الله سي مدير. ولو نبدأ تعطينا على قطاع النقل، خليك تفضل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نهني ساكنة سيدي بلعباس بالعام الجديد، صلى الله عام سعيد، كل عام وبلعباس بخير. فيما يخص قطاع النقل بالولاية، on a plusieurs volets dans le secteur des transports au niveau de la wilaya de Sidi Belabbas. Donc on a le transport comme thème révélateur dans la structure des modes de transport. On a ces modes aussi en parallèle. Adna, le mode de transport terrestre, le mode ferroviaire, le transport guidé. Donc, trois modes de transport importants dans la wilaya de Sidi Belabbas. Et en parallèle, on a l'aviation civile, Adna, un aérodrome à Sidi Belabbas, mais sans aucune exploitation. Le mode de transport terrestre qui se compose de transport de voyageurs, mode bus et taxi. Puis on a le mode de transport des marchandises. On a le transport public de marchandises. L'ensemble des transporteurs de la ligne, qui sont de à peu près 48 transporteurs, qui est actif sur la ligne Sidi Belabbas Lermeline. En premier lieu, non, quand je suis venu sur l'égide de mes prérogatives en tant que responsable du secteur, j'ai vu la stratégie de revoir certaines restructurations de certaines lignes. Menha, la ligne de Teller, collé avec la commune de Mérine, qui est une daïra déjà, qui habite la localité où la commune de Mérine. Pourquoi ne pas créer une ligne en parallèle qui est Mérine Sidi Belabbas par l'Oufdaïda directement? Parce que la Mérine, c'est une commune daïra, elle a son. Où est le problème? Il existe uniquement. Mais Mérine et Teller, pourquoi les autres daïras? Pourquoi pas les autres daïras? Il y a une proximité. Je sais la proximité indique. Ça signifie qu'on a revu la structuration de la ligne par rapport aux deux daïras qui nous offrent. Qui est par un mode propre écologique, qui fonctionne, qui a débuté la wilaya de Sidi Belabbas depuis 2017. C'est le tramway. C'est le tramway de Sidi Belabbas qui longe sur un linéaire de 14 km, 200, avec 30 rames d'exploitation. Aussi que Belabbas bénéficie de tous ces quartiers populaires, ces pôles universitaires par ce mode de transport et qui a une couverture plus de 70% du transport. Wallahi, j'étais très ravi de votre invitation et c'est un honneur pour moi d'être parmi vous. West Info, de toute façon, a une référence historique dans la wilaya de Sidi Belabbas
et j'étais parmi les admirateurs, des lecteurs admirateurs de Westinfo. Donc c'est un privilège pour moi. C'est d'accord. C'est Raoul, je ne sais pas, là. C'est si vous pouvez... C'est un cœur. Mahmoud.